Ouvrez le bord. Thank you.
Parigné, tombé en 39-45. Crapez, Jean. Dufort, Louis. Brossard, Raymond. Dérambure, Edmond. Dubois, Constant. Déporté et FFI. Tyran, Abel. Dalle, André. Girard, Louis. Aux morts. Au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Fermez le banc. Soyez Raymond. Madame le maire vous remet la croix du combattant. Fermez le banc. Monsieur Maintenant Michel, je vous remets la médaille du titre de reconnaissance de la nation.
Fermez le banc. Sabrina, je te remets le calot avec l'insigne des membres associés de l'Union nationale des combattants de Parigny-l'Évêque. Elio, je te remets le calot avec insigne des membres associés de l'Union nationale des combattants de Parigny-l'Évêque. La guerre a eu lieu, si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. Rassemblés et fraternels, ne nous l'oublions pas. La guerre a lieu, si proche et dramatique. Le visage de l'Europe en est changé. Rassemblés et fraternels, nous le savons. En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, en Europe, avec une singularité toute particulière, en écoutant les douloureux échos du temps. Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever 5 années de tempêtes, de douleurs et de terreurs. Ivresse de la victoire, mais détresse face à l'immense sacrifice consenti. Dans cette joie bouleversée, les embrassades n'ont pas fait oublier qu'un temps, les villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches disparus, les restrictions. L'humanité a payé le lourd tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l'inhumanité et de l'indicible. Elle a découvert, stupéfaite et horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la nation porte son regard et son affection en direction de celles et ceux qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau nazi. Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts, des Français libres qui n'ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l'intérieur, de chaque Française et Français qui a refusé l'affaiblissement de cette année de lumière dans l'obscurité. Dans les pas du général de Gaulle, ils ont permis à la France de rester la France. Pour notre pays, ce combat prit de nombreux visages et de la victoire 1000 chemins. Elle exigea tant de courage, de larmes, de deuil et de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Birkenheim tint tête aux divisions italiennes et allemandes. Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent aujourd'hui encore l'orgueil de notre pays et font vibrer les cœurs du peuple libre. Nous nous souvenons aussi du raid mené sur le port de Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques et américains, qui ont ouvert la voie de la libération de la France. Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de juillet 1942, ceux des victimes, femmes, hommes et enfants, de l'ignominie et de la folie criminelle. Nous qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit. Les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage autant qu'elle est une leçon. D'abord, l'unité de la France, qui n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu'elle se soustrait à la fureur des dissensions et aux divisions, que lorsqu'elle regroupe le meilleur d'elle-même pour construire les ambitions du Conseil national de la Résistance. Ensuite, le chemin de l'Europe, qui fut le seul pour la réconciliation des nations européennes et qui a façonné par les rêves de plusieurs générations successives qui demeure celui de l'espérance dans le progrès collectif,
celui du refus du nationalisme, celui d'une fraternité vivace. Enfin, ce chemin de l'unité et de l'Europe n'est rien sans l'attachement viscéral de la France à la dignité de l'homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat, nous le poursuivons ensemble, inlassablement, en Français, en Européens, en femmes et hommes libres. Shadow.